Salut à tous, c'est Télimo pour une nouvelle vidéo un peu cocasse, toujours sur Diablo 4, on a Rax qui a fait... Alors c'est une petite performance, mais c'est plutôt sympa, c'est bien pensé de sa part en tout cas, euh, qui a fait le Capstone Donjon niveau euh, 3, donc World... pour passer World Tier 3, donc les monts sont niveau 50, il l'a fait à partir d'un personnage niveau 1 en hardcore. Bon le fait que ce soit en hardcore, c'est pas... pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la préparation qu'il a faite et euh, ce qu'il a pensé pour, pour montrer aussi euh, la puissance bah, des crafts, tout simplement. Alors, il a fait une vidéo, on, justement, on va, la rigoler, on va la regarder et on va, je vais expliquer, je vais donner des informations sur ce qui se passe en même temps qu'on voit la vidéo. Donc là, il est en train, il va expliquer au début qu'il a un personnage niveau 1, donc c'est bien le cas, il a bien les stats d'un personnage niveau 1. On voit en bas qu'il est euh, tout simplement sur... Euh, on va le mettre en grand comme ça. On voit qu'il est niveau 1, qu'il n'a pas de points d'expérience. On voit qu'il a des skills qui sont déjà euh, utilisés. Donc, euh, vous savez, quand on, on a un personnage avec les points de compétence, on a à peu près une dizaine de points de compétence, donc il les a déjà utilisés, donc il est déjà prêt dans son arbre de compétences. Et dans son inventaire, il a préparé de l'équipement. Et on va voir que c'est un équipement un peu spécial. Donc là, il parle de son, son équipement qu'il a déjà pré-sélectionné, préfet. Et il peut l'équiper directement le niveau 1. Il a prévu de prendre une potion pendant pendant son donjon. Et un casque qui est niveau 2. L Équipé. Un peu plus tard. Et forcément, dès qu'il va tuer des monstres, il va gagner de l'expérience. Donc, là, la, la première des choses, voilà, c'est ce qu'il est en, tra en train de dire. Donc, soit il va faire zéro damage, soit il va tuer instantanément. Pourquoi Parce que sur son équipement, et particulièrement sur son arme, je pense qu'il va la montrer. Donc là, il équipe son équipement. Donc sur son équipement, sur son arme, il y a un aspect, euh, plutôt une trempe, qui dit qu il a 40% de chance de faire 3000 de dommages. Et les monstres dans ce, dans ce capsule donjon-là ont moins de 3000 de dommages. Donc il va tuer instantanément les cibles. Donc le plus dur, le plus dur en fait, c'est ce moment-là où euh, il doit faire du kill le plus rapidement possible, euh, dès le début, parce qu'il a peu d'espace, et, euh, et en fait, euh, dès qu'il aura passé plusieurs niveaux, ça va aller beaucoup mieux. Donc, vous voyez, de base, il attaquait 12,2, pas beaucoup, et là, il vient de faire un 12 640, donc là, c'est le proc de son euh, équipement qui a fait justement ces dommages-là. Et donc, il tue instantanément la cible. Là aussi, on a une cible qui est morte instantanément. Et là, il a, il a déjà passé à un niveau et il est à un niveau ennemi. Donc il a équipé son, son casque, vu qu'il... Voilà, donc là il est en train de montrer son arme. Je mets pause parce que c'est le, le, le plus important de la vidéo. C'est voilà, celui qui il a 40% de chance de faire 3000 de dégâts d'ombre euh, à la cible. Donc il suffit qu'il attaque 3-4 fois. Et normalement, c'est censé proc et, euh, et tuer la cible. Donc, ça, c'est pour les dégâts. Mais sinon, tout son équipement est orienté sur de la, de la, de la résistance, de l'armure et des points de vie. Hop. Juste qu'on puisse voir. Donc, tout à l'heure, il avait 115 d'armure. Là, il a 1140. Et en points de vie, euh, là aussi, il a, il, a, il, a, il a quasiment 800, je pense. Hop, -ce que j'arrive à mettre là Hop. Il a 980 points de vie. Alors que normalement tu as 40 points de vie, euh, 40 à 50 points de vie euh, niveau 2. Parce que, à l'heure actuelle, il est niveau 2. Donc il sait qu'il a beaucoup de points de vie, c'est pour ça qu'il est confiant là, il se permet de sauter dans le tas, parce qu'il sait que maintenant il ne va pas se faire one shot. Il a beaucoup de points de vie pour son niveau, et même pour un niveau 50, et il a de l'armure. Donc même s'il prend un coup, sa vie ne va pas descendre. Là, il a pris un coup, vous voyez, sa vie elle est descendue de très peu. Et il est niveau 2. Niveau 3, là, il est passé niveau 3. Là, il vient de reprendre un coup, pareil. Donc, les coups qu'il prend, ça lui fait perdre à peu près euh, entre 5 et 10% de sa vie. Ça dépend des attaques. Donc, là, on voit, on voit qu'en attaquant, juste parce qu'il a proc, il a proc deux fois, le, le, un monstre et élite est déjà à 40% de points de vie. Donc, là aussi, hein, tout à fait hein, en accord avec le proc, euh, faire des dommages qui sont plates qui sont fixes, 3000 de dommages, après il y a les multiplicateurs qui arrivent derrière, c'est énorme. Et en fait, le souci, c'est que les trempes ne s'ajustent pas en fonction des niveaux. Ça veut dire qu'il a des trempes d'un personnage qui est potentiellement level 100, et il le chope niveau 1. Donc ça devient très facile. Donc là, il a juste à attaquer pour que ça proc, et il peut avancer euh, très facilement dans le donjon. Il y a des monstres qui one-shot dans sa proque directement. Donc là, là, là il fait euh, ce que quelqu'un normalement ne fait pas. Hein. Il, il rush, il va directement dans le fond. Il, il sait qu'il a trois boulettes à lancer sur un élite pour le tuer. Quoi. Et ouais, sa vie, elle est complètement gérable. Avec l'armure et les points de vie qu'il a, euh, c'est complètement gérable. Là, voilà, il fait une attaque, ça approque, deux attaques, ça approque. Ça approque à peu près une fois sur trois avec le skill qu'il a, je pense. Ok, il a pris le skill basique, hein, la petite boulette de glace euh... basique. Ah, il a pris des sorts... Euh... Il complète un petit peu son bilan hein, sur du liquide et sur de la def. De toute façon, là, il n'a pas grand chose à faire que de faire proc euh, ce qu'il est a sur son arme. Alors ce qui fait, c'est totalement reproductible avec d'autres persos, hein, que ce soit en de préférence, à distance, parce que c'est plus facile de faire... Euh, on prend moins de risques. Même avec un guerrier, je suis sûr, hein, avec un barbare, on peut reproduire. Il y a des trempes qui sont excessivement forte et en plus on a quatre armes donc en termes de puissance on a déjà de quoi bien s'amuser je pense le, le le moyen le plus safe serait de faire avec les tornades c'est au moins on n'a pas besoin d'aller au corps à corps réellement voilà euh, il a oublié des il a oublié des poudres tout en haut à gauche il va aller les chercher et alors, il en profite pour mettre ses points de talent là ben, ça très vite il est déjà niveau 7 donc de toute façon à partir du moment où il a réussi à trouver le moyen de tuer le, les, les premiers monstres en one shot, voilà le reste ça va être simplement du hit and run comme on dit. Attaque et tu cours. Donc il n'y aura pas spécialement de difficulté. Là, Donc, là il rush directement le boss, il essaye de, de skip un petit peu les packs, ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, qu'il soit le level 1 ou le level 7, là c'est exactement la même chose. Il gagne juste quelques petits points de talent, mais c'est pas ça qui change le build ou... Enfin, le build. <laughs> c'est pas ça qui change l'effet principal avec son attaque. Donc là pareil, il va attaquer les cibles. Elles vont prendre, elles vont proc. Voilà, il a mis midlife, le match d'en haut. Avec une boulette qui a proc. Là il a 10%. Donc ça va très vite. Hein. Il évite quand même les attaques, hein. il joue comme si, si jouait un, un rogue en vrai. Hein. Donc là, la bulle, ça c'est un, un aspect qu'il a mis quand sa vie descend trop, immunité. Ça proc toutes les 90 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc là aussi, hein, sur les aspects qu'il a choisis, il les a pas bien montrés, mais il y a énormément de, de, de résistance. Il a joué principalement euh, tout en, en défense. Bah, le but c'est que simplement il reste en vie pour pouvoir auto-attaquer. Et juste auto-attaque a euh, fait les kills, hein, tout simplement. Donc là, il est embêté parce que bon, il va devoir tout clean. Mais il va le faire, hein, il n'y a pas de problème, ça va lui prendre un peu de temps. Là, on est dans une phase du donjon où on est obligé de tout tuer les monstres. Donc c'est... Euh le moment le plus le plus long pour le donjon et, et de toute façon là il a il a de quoi résister facilement en vrai Alors là il, il râle un petit peu contre l'arbalète qui fait un peu mal mais bon il a quand même mis les quelques d'armure simplement suffisant à ce niveau là je vais avancer un peu voilà parce que là il n'y a rien qui va se passer spécialement euh, on va aller jusque au boss. Donc là il clean hein, tout simplement. Il iten run et clean. Ok. Il reste encore. Il a looté un légendaire, une amulette. Et là il arrive sur le boss. Donc le boss... Concrètement, hein, ça va être aussi rapide. Hein. Voilà, dès que ça proc, ça lui fait perdre énormément. Il tank même l'écrit, en vrai. Voilà, donc là, il est level 11. Il tank le boss concrètement. Avec ses 11. Avec son niveau 11, avec ses 9 potions. Qu'il n'a pas amélioré forcément. Et même quand il prend des coups, hein, il perd... Euh... 10-15% de vie, grand max. Il ne perd pas 80%. Et voilà. Tout au proc. Tout avec euh, la, les, les trempes. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Un petit peu concrètement dans le jeu, comment ça se cite, comment ça se traduit. Euh, hop. Ouais, on va mettre ça comme ça. Alors, comme je vous le disais. Pourquoi c'est si fort Pourquoi même d'autres personnes peuvent le faire Alors, déjà, la première des choses, on a euh, 10 points. Donc, il peut aller chercher quasiment au niveau 3 euh, des, des points. Donc, même l'auto-attaque la, de base euh, à distance, c'est amplement suffisant. Ensuite, on a les aspects qui, eux, ne scalent pas avec. Enfin, s'ils si, s'adaptent au niveau. Par exemple, Là, si je mets euh, un truc sur euh, les tornades, on a par exemple les dommages. Quand je fais un coup double, mes tornades qui vont faire 20 points de dégâts, parce que je suis niveau 1. Okay Donc c'est le meilleur des rôles, parce que c'est quelque chose que j'ai mis au maximum avec mon codex. Par contre, 20 points, alors on peut dire oui, c'est rien du tout, mais 20 points, quand je suis niveau 1, là, quand j'attaque, je fais 5 de dommages. Donc déjà, une tornade, c'est 4 fois plus de dommages que j'ai. Que je fais et sachant que euh, les, les dégâts de la, enfin, la vitesse d'attaque des tornades elle est très 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 rapide donc en vrai par rapport à une attaque de base, bon là j'ai pas mis de points de talent, j'ai rien du tout, mais par rapport à une attaque de base, là je suis à 15% quand même, euh, on est à quatre fois plus. Mais ce qui va rendre les trucs encore plus intéressants, donc ça va être les trempes. Les trempes elles ne s'adaptent pas, elles restent toujours les mêmes. Ça veut dire que là, c'est la, la trempe qu'il a utilisée. C'est celle qui fait que quand on attaque, on a 40% de chance de faire entre 2000 et 4000 de dommages. Donc lui, il est tombé sur un 3000, quelque chose plutôt moyen. Il aurait pu tomber sur 4000 c'était encore plus fort. Nous, sur, les, sur un barbare, on a la possibilité de prendre cette trempe sur toutes nos armes. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 procs différents. Donc si on a 4 procs différents, il suffit qu'on attaque... Euh, voilà, un, un ou deux coups, le monstre meurt quasiment automatiquement. Parce que c'est 40% de chance. Et euh, bah, sur, les, sur les, 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 les basiques, je crois qu'on est à des taux 50%. Ouais, c'est ça. 30%, 50%, 50%, 50%. Donc 50% et 40%, en gros, on a 20% de chance de faire réellement euh, proc la trempe. Okay Mais comme nous, on va en avoir 4. On peut en avoir 4. On a 20% ici, 20% là, 20% là, 20% là. Donc, ce n'est pas, pas, pas cumulatif, on ne va pas avoir 80% de chance de proc euh, quelque chose. Mais euh, quand on attaque, on va, être très, 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 on va, on va faire 2-3 attaques qui vont être suffisantes pour faire proc et donc, du coup, one shot. Alors, pendant cela, bien évidemment, il ne faut pas mourir. Donc, pour cela, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans les défensifs des... Est-ce euh, qu'il est... -ce qu a... Voilà des défenses flat, ce qu'on appelle flat c'est pas en pourcentage, c'est en dur par exemple, avoir 500 PV maximum sachant qu'on peut avoir sur l'armure, sur le casque sur les jambières et même sur la mulette. donc potentiellement niveau 1, si je veux euh, et que j'ai un peu de chance je peux avoir 2000 de points de vie niveau 1 est amplement suffisant pour pouvoir encaisser les coups donc, on peut avoir aussi de l'armor, de l'armure supplémentaire, etc., etc., etc. Alors, spécialement besoin de résistance, euh, suffit d'avoir un petit peu de points de vie et c'est amplement suffisant. Enfin, sachant que là, on a 40 points de vie. Euh, concrètement, si je rajoute un 500 points de vie, euh, c'est comme si je faisais un x10 fois x12 fois en termes de points de vie. Comme si j'étais 12 fois plus fort. Donc, 12 fois plus fort euh, sur 1, un, sur une trempe. 12 fois plus résistant sur une trente. Sur une trempe, pardon. Et euh, bien évidemment, les celles qui sont offensives, elles me permettent de faire des dommages de dingue. Donc ce qu'il a fait, concrètement, il y bon, c'est pas difficile du tout, c'est juste que comme les trempes ne s'adaptent pas au niveau du personnage, on peut crafter d'équivalent des trempes level 100 sur un personnage level 1. Et donc du coup, le surbooster. Je ferai, euh, pour rigoler, j'essaierai de récupérer. En fait, le plus, le plus chiant, c'est de récupérer le stuff euh, qui va permettre justement de euh, pouvoir, euh, voilà, et la faire d'une trempe dessus, et mettre un aspect dessus, et l'enchanter, etc. Parce que les trempes, en fait, c'est pas possible. Là, mon stuff, euh, il est gris, et je ne peux pas le mettre à, à faire une trempe. Ça me dit, seulement les objets rares et légendaires peuvent être sujets à la trempe. Donc, ça va être ça le plus dur, en fait. C'est-à-dire de récolter les pièces de toutes les parties pour pouvoir avoir un stuff Apex. Sachant que en vrai, euh, ce stuff qu'il a mis de côté, euh, bah, voilà, il peut aller en Altide après, Pex avec après, euh, et euh, Turbo Boost l'XP d'un reroll en fait. Euh, monter le niveau 50, ça va lui prendre quelques minutes. Monter, et de la même manière, monter le niveau 70, ça va être pareil. S'il si y a un autre stuff intermédiaire un peu plus élevé, qui permet de, voilà, de passer le niveau 70 facilement, euh, ça va être la même chose. Donc voilà, donc les trempes, c'est les trampes accouplées aux, aux aspects, c'est 80% de votre puissance. Les 20 autres pourcents, ça va être les parangons. C'est déjà pas mal, mais vraiment, les trempes dans la saison actuelle sont abusément trop fortes. Abusément trop fortes. On prend un skill et on lui met... Un multiplicateur de barjot c'est un peu le cas sur euh, sur le bash voilà on lui peut lui mettre du 300 300 300 200 plus on a quatre armes c'est un peu la fête voilà c'est les, les trempes sont excessivement trop fortes et donc du coup ça permet de faire tout simplement des dingueries niveau 1 et d'aller taper voilà du capstone donjon niveau 3 enfin, pour, pour accéder au 3. voilà c'était pour vous expliquer un petit peu en détail comment ça se passait, donc toutes les personnes qui viennent sur mon stream et qui me disent oui, j'arrive pas à passer le capstone donjon niveau 3 ou niveau 4, et eh ben je vais les envoyer voir cette vidéo de quelqu'un qui l'a passé niveau 1, simplement parce qu'il a mis des bonnes trempes euh, sur euh, ses sur objets et des bons aspects. Donc voilà, c'est le cœur du jeu, c'est ça, la puissance du personnage vient principalement de là, et une fois que vous avez compris ça, et eh ben vous allez comprendre que récupérer un bon objet et faire une bonne trempe dessus et eh ben c'est vraiment 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 critique voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao